La matinée du 30 août 2023 restera à jamais gravée dans les mémoires des Gabonais. À peine annoncé réélu avec plus de 60% des voix, le président sortant Ali Bongo, qui briguait un troisième mandat, a été renversé par des militaires, dont des membres de la garde républicaine. Les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Bien que l'avenir soit encore incertain, les rues de Libreville se sont réveillées dans l'allégresse. Après deux jours de coupure Internet, les premières images de la capitale gabonaise montrent des populations descendant dans les rues pour montrer leur soutien aux militaires. Les derniers vestiges de la campagne du président sortant sont quant à eux arrachés, toujours dans une ambiance festive. De son côté, Albert Ondo-Ossa, donné favori de l'élection et qui affirmait sa victoire il y a encore quelques jours, n'a pas encore réagi à l'annulation du scrutin.